Quelles compétences ou connaissances faut-il acquérir pour augmenter la chance de trouver un emploi? Tu t'es déjà posé cette question, n'est-ce pas? Ou peut-être ton ami, votre grand frère, un membre de la famille s'est déjà posé cette question. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va essayer un peu de démystifier ou bien d'expliquer quelles sont les connaissances de base qu'il faut avoir pour trouver ou bien pour avoir plus de chances de trouver un emploi. Mais aujourd'hui, les tutoriels que je vais faire en Lingala pour augmenter ou donner la chance à la grande communauté lingalophone, les Kinois et les Kinoises, d'avoir au moins plus de chances de trouver un emploi en 2024 à partir de janvier. Sans plus tarder, on va entrer en profondeur de la question et essayer de détailler, de donner le plus de détails possible sur cette question. Alors, parfois on me tourne déjà question, là, mais je vais vous expliquer vraiment kaka na domaine en informatique. Et là, on y n'a pas en informatique. Peut-être aux autres, aux formations, ou bien. Ou bien aux Zoomitou n'a vraiment non ça ni na 2024 bientôt proposer un gars que barco engager un gars mais na ybaté na ruindo ça la nine. Alors aujourd'hui nous expliquer yo na informatique quelles sont les connaissances de base au cookie cause la nango pour cause la chance ba recruter yo aux chance ba apprécier yo ici cause aucune aux chance au aux chances et belé yako mataba poste à partir de la connaissance de base on a expliqué. Alors l'informatique, il faut savoir que l'informatique est tout d'abord vaste. L'informatique dans son ensemble est à le colanzo toi mon dieu tu es ali maboko es ali et jamais docteur moro boya tangi la ba partie nyonce. Non, oyoka spécialiste par exemple côté moutou, spécialiste côté cœur, spécialiste par exemple côté gynéco, spécialiste bah kabwana également l'informatique, informatique pe kabwana bongo. Il y a des spécialistes par exemple la cybersécurité, il y a des spécialistes par exemple na développement, il y a des spécialistes par exemple na base des données. Donc il y a des spécialistes bisika. Alors, pour dire que à quoi apprendre maintenant informatique dans son ensemble pour que Yozo Amusala ou Yokola Biloro Nyonso pose à la chance Yozo Amusala, vraiment c'est faux et archi faux. Mais il y a maintenant des outils de base, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Il y a vraiment des outils de base au Yoko Kiko Yokola et aux Uba Chance et Bélé, il y a qu'on décroche Moussala. Entre autres outils de base à Liboso, Ozana X, Ozana Microsoft Word. Il faut comprendre que Microsoft Word, Microsoft Word. Lelo, il faut y aller que dans le domaine Nyonso. Ça, c'est le logiciel. Il faut y aller que dans le domaine Nyonso, ça, c'est le cas. Application Oyo. D'abord, c'est quoi Microsoft Word? Microsoft Word est un logiciel de traitement des tests publiés par Microsoft. C'est-à-dire, cela veut dire quoi? Logiciel Oyo permet à Kaka pour nous traiter test. Il faut que dans le domaine Nyonso, batin dans la lettre, batin dans le courrier, et même à taille mon côté dans le message dans WhatsApp. Na format ni na format test. Donc le logiciel lui permet à yo na ko ça la mise en forme, c'est-à-dire ko styliser, ko rendre test kitoko lisible. OK? Ça là il y a logiciel o yango. Na ba entreprise nyonso ba ça le la rango lelo. Na n'importe quel domaine. Que ce soit côté avocat, que ce soit côté médecine, que ce soit côté finance, que partout ba ça le la logiciel. Donc, à tout Yamakasi, et premier conseil pour Nanga, Yekola Microsoft Word. Maîtrisant au Makasi. Écoute, il faut savoir une chose.
Qu'on maîtrise, cela ne veut pas dire que les lots 8 mois formation, il y a eu ça la saisie, un point de train, et ce qui aura. Non. Et le réunion, pour me payer sa chance, il faut oyer bango pour me payer ça à profondeur. Il faut vraiment me payer ça à profondeur. Tant que vous me payez ça à profondeur, vous augmentez la chance de vous avoir besoin de ça. Et puis vous augmentez la chance de vous apprécier les lots dans ma case. Alors, ne pense pas que. On va se limiter ici. Je crois que à la prochaine, à ma tutoriel Oezoya, il faut juste vous s'abonner pour avoir notification. Je vais faire un playlist. Il y a cours uniquement pour n'accueillir comment faire la mise en forme. Voilà. Comment est-ce que vous traitez test et comment quelles sont les fonctionnalités Oezana 4 sur Microsoft Word. Donc, il faut déjà t'abonner si ce n'est pas encore fait ou si c'est la première fois. Il faut déjà t'abonner pour que vous allez notifier dans le cours ou dans ça pour le logiciel. Deuxième des choses, il faut oyeba Excel. Excel. Les lots Excel dans l'entreprise est belé. Ça est là. Excel d'abord, c'est quoi? Il faut savoir que Microsoft Excel est un logiciel de tableur, un logiciel tableur de la suite bureautique Microsoft Office est développé et distribué par l'éditeur Microsoft. En quoi sert Microsoft Excel? Microsoft Excel permet de faire, par exemple, les inventaires, la comptabilité, tout ce qui va avec le calcul, le finance, ainsi de suite. Donc, avec Excel, partout dans la société, il y a un traitement de l'imbo. Il y a un calcul, une gestion de stock. Et ça, il y aura partout dans la société. Donc, Excel les permet d'organiser les données. Et ça, il y a un calcul automatique. Alors, les gens qui, par exemple, ont un CV, ils ont un logiciel Excel. Ils ont augmenté ma chance belé pour na yo ozoa musala. Parmi ma connaissance na yo zanango, ceux qui ont ajouté Excel et qui permettre yo augmenter ma chance non. Parce que imaginez une société oyo, par exemple, et ben nous luka nango secrétaire, topé réceptionniste. Réceptionniste, tu as y a travaillé aux années expérience ainsi de suite. Et du coup, on découvre que non, non, c'est une personne qui a maîtrisé, par exemple, Excel très très bien. Il y a un tableur, être meilleur dans ce que tu fais. Au moins qu'on puisse dire que il faut telle personne, il faut Moutouana, il faut Yebou Bengaya Yebi. C'est très important. Donc, la deuxième chose, je t'encourage à développer des connaissances sur Excel. Et comme je vais faire aussi une playlist pour la Word, également je vais faire un playlist pour Excel. Et voir en détail quelles sont les fonctionnalités. Oyo Excel azanango, oiseau regorgé et cela maintenant va vous permettre au moins d'avoir la possibilité de trouver un emploi et puis d'annexer dans votre CV cette connaissance. Parce que sachez les bien que dans tous les secteurs ou bien dans n'importe quelle entreprise, aujourd'hui ordinateur ISO existe. L'informatique existe. Donc on ne peut pas s'en passer. Donc mais le logiciel de base, on a l'accès à ou bien on a présenté au lelo. Et ça, le logiciel au partout dans n'importe quel domaine. Bon, c'est là. Troisième chose, PowerPoint. PowerPoint. Alors, PowerPoint. C'est quoi PowerPoint? PowerPoint est un logiciel de présentation édité par Microsoft. C'est un logiciel de présentation. Donc, PowerPoint vous permet de créer des présentations, des diapositives. C'est-à-dire quoi?
Aujourd'hui, dans la société ébélée, dans la réunion ébélée, c'est ce qu'on appelle, au moins, tu es projecteur. Tu es projecteur, tu es présenté, par exemple, présentation à sortie à produit Moroboé, ou bien présentation à plan marketing, présentation, par exemple, il y a. Il y a formation, mon bébé, ça là, tout ça. En fait, la plupart des gens, ça les là, le logiciel Oyo, Microsoft PowerPoint. Et permet à ka organiser présentation. Donc, ils allaient très bien présenter. Ou bien organiser comment boé. Ou bien manière à ko présenter. Donc, il y a un salé ma pour la présentation en fait. Et qu'organiser le test. Ba image, ba lo lenge ya ko afficher ango, na ba timing moko boye, na ba moment moko boye. Donc, pour que ba tu va comprendre réellement le discours, ou bien ba tu va comprendre réellement cours, tu peux ba tu va comprendre réellement explication. Donc, le seul moyen c'est seulement pour na ba présentation. Et puis, avec le logiciel Oyo, na ba entreprise ébélé lelo, ba ça là. Ça il est là. Il y a une entreprise mon côté organisera ba conférence, topé non seulement ba conférence, mais ba réunion, ba meeting. Entreprise mon côté. OK? Organisera en côté. Ba entreprise est belé organisera ba réunion. Ba entreprise est belé organisera ba formation. Alors, koyé beloko yo ezapi à tout. Na kati il y a connaissance dans ce qu'on est bien, ils ont tout. Ça joue aussi. Lorsqu'on est comme ça. Là. La troisième des choses, il faut savoir aussi avoir des connaissances sur la gestion de courrier. Par exemple, entre autres, je parle de gestionnaire courrier Moko Gmail. Les lots, la plupart des gens, par exemple, et pas un bisou, normalement, on a. La Kinshasa, bah, tu es belé, peut-être bah, il y a une importance, il y a courriel, il y a email. Mais la plupart des entreprises aujourd'hui bah, utilisent un gestionnaire de courrier. Pour nous continuer. Et puis pour recevoir un courrier. OK? Alors, Google. Peut-être au Sahelango, peut-être aux Anango, mais peut-être au Yébaraté, n'est-ce pas? Ok, Gmail est un service de messagerie électronique gratuit pour le particulier proposé par Google. Je crois que on a un compte Gmail. Ou ça il en partout naba presque belé naba téléphone et belé Android. Avant au côté na Play Store, il faut en un compte Gmail. Mais peut-être aussi il a appelé Gmail ou anato. Il y a pas importance dans côté. Ils ont logiciel moko ils ont permettre pour naba envoyer un message. OK, bah envoie un message et gérera ba courrier. Na ba société est belé lelo, la communication se fait par courrier. Ba société belé sur le plan professionnel ba c'est là ba courrier. Donc il faut déjà au mesana oyé ba elo kwana. Pour utiliser ba courrier, comment on continue da courrier, comment on recevoir courrier, comment est-ce que on qui quoi archiver ba courrier. Donc c'est très important aussi il y a pour maîtriser gestion à bas courrier. Parce que imaginez que vous êtes secrétaire. Ok? Tout est réceptionniste. Vous allez obliger à recevoir à bas courrier. Parfois, d'autres personnes, bah, comment on a bah, logiciel, il y a logiciel moko, par, développé par Bango Moko. Oh, bah, ça est là. Donc, ce que vous en maîtrise déjà, on maîtrisera déjà à bas gestionnaire, il y a courrier, moussous. Ça va te permettre, il y a causal un peu d'équation et belété. Surtout qu'on annexe bas documents, qu'on utilise bas pièces jointes, ainsi de suite. Donc, on peut dire casse. Je crois que avec le 4 logiciels, le 4 outils, parce qu'il y en a plusieurs. Sur la gestion de courrier, il y en a plusieurs. Google a Gmail, Yahoo a Yahoo Mail, Microsoft a Outlook. Donc, beaucoup des entreprises va développer la gestion de la banque. Beaucoup des entreprises va développer la gestion de la banque. Hormis les 4 outils Tolobeli Word, Tolobeli Excel, Tolobeli
PowerPoint, Tolobelib, les gestionnaires de courrier. Et puis, il faut ajouter l'initiation à l'informatique. L'initiation à l'informatique, c'est quoi? C'est savoir quelques techniques de base. Comment opérer les ordinateurs, comment connecter ordinateur, et bien les lots et les connecteurs ordinateurs fixés. Ce qu'on détache tout le câble, on va connecter. Ça aussi, c'est important. Ok? C'est important de connaître, connecter les, à connaître un peu l'initiation à l'informatique. D'abord, connecter connecteur ordinateur qui est fixé dans le câble. Comment est-ce que... Parce que d'autres personnes aujourd'hui ont présenté à ton ordinateur pour appeler ça au laptop, c'est un problème. Ok? Donc, il faut avoir aussi un peu de connaissances dans l'initiation à l'ordinateur. Non, plutôt à l'informatique. Donc, savoir au moins comment changer les arrière-plans, savoir au moins faire quelques paramétrages nécessaires pour un utilisateur, création de comptes, ainsi de suite. C'est très important. Et surtout, être rapide dans les claviers. La rapidité dans les claviers te permettra aussi d'avoir un peu plus de chances de trouver un boulot. Aujourd'hui, la personne qui est très rapide à la saisie des tests a plus de chances de trouver un emploi. Parce que plus tu es rapide, plus les tâches sont exécutées aussi rapidement, plus la décision, ça permet aux autorités de prendre aussi des décisions rapidement. Vous comprenez? Donc, moi, je vous encourage, si vous voulez augmenter votre chance de décrocher un boulot, un emploi, écoutez, c'est simple. L'informatique touche tous les domaines. Les gars qui sont dans le bac, qui dans la salle tutoriel dans Lingala. Aujourd'hui, j'ai mixé Lingala français. Donc, comprenez. Donc, là, on est dans Lingala facile. Donc, voilà. Donc, et je vous encourage à avoir beaucoup de connaissances ou bien un peu de connaissances de base dans l'informatique. C'est très important parce que l'informatique les réseaux touchés domaine nuance. Informatique les réseaux touchés domaine nuance. Donc ce qui osa la connaissance là-bas, outils on a na auto la guisa, outils on a tout découvrir ensemble et qu'on permettre yo augmenter ma chance na yo pour jouer ça là. Parce que informatique, ils ont domaine, mon réseau touché par domaine ébélé. Donc, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter ici. Et si vous n'êtes pas encore abonné, en tout cas, vous abonnez-vous parce que chaque outil, on a un outil que cité. Donc, ça, la playlist, il y a des vidéos, il y a des tutoriels, où tu peux expliquer à long et à large en détail. Comment est-ce qu'on peut utiliser? Mais s'il faut jouer la formation, un brevet, c'est aussi important, c'est aussi bien. Mais sachez bien qu'il y a plusieurs cours sur YouTube où explique où tu as des détails à long et à large. Mais aussi, on va faire, on va expliquer, on va détailler et puis on va parler à long et à large de ces outils. S'il y a des commentaires ou s'il y a des propositions, n'hésitez pas. Il y a qu'au comme la biso. Et puis, je vais me faire le plaisir. Il y a qu'au temps à bas commentaires nianso. Et il y a qu'au répondre. Et puis encore, si vous voulez, par exemple, un cours en particulier, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit juste de partager cette vidéo. De partager cette vidéo ou de taguer la vidéo dans vos publications et vous faites des photos, vous m'envoyez, vous faites des photos, vous m'envoyez ou bien vous commentez, vous mettez les liens de vos publications sous commentaire et moi, je vais faire quoi? Je vais créer un meeting avec vous pour travailler un peu sur les difficultés peut-être aux Alaranango, na Word, Excel, na PowerPoint, comme cadeau. Alors, quant à moi, je vous dis bye bye et à la prochaine. Merci.